Et donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Nazer et on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Et si on est de la forêt, tout simplement parce qu'en fait, dans les commentaires, vous avez été très généreux, hein, vous m'avez carrément dit que c'est là qu'il fallait venir. Et autant vous le dire, heureusement que vous me l'avez dit, parce que sinon, je crois que j'aurais jamais trouvé. Hein, parce que le fait que le gars qu'on cherche soit à la forêt, à un moment, j'y ai songé, mais je me suis dit, en fait, c'est pas possible qu'il soit à la maison, étant donné que le maître du... Attends, je vais vous montrer. Le maître de Shiro nous avait justement dit que sa maison était un peu plus haut. Donc si elle était plus haut, je supposais que c'était justement celle qu'elle a. Et apparemment non, c'est pas sa maison. Donc voilà. Ouais, sinon vous pouvez voir que j'ai un peu changé les persos hors vidéo. Bon, j'ai juste pris Mukumuku en virant l'autre gars là, l'autre Cassos. Et que si là la formation forme un V avec tous les animaux du groupe. Oui, par là j'insinue que Nanami est aussi intelligente qu'un animal, mais bon. Enfin, remarque, je suis insultant vers les animaux. Je pense qu'ils sont un peu plus intelligents que Nanami quand même. Voilà, du coup, on va pouvoir rentrer dans la maison. Et logiquement, d'après ce que vous m'avez dit, bah, la dite personne se trouvera ici. Putain, faut le savoir ça quand même. Parce que moi, je me serais jamais fait chier à revenir ici, hein, sans le savoir. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu? Si on avait le choix, de toute façon. On m'a dit que c'était ici, donc c'est ici. Si les gens dans les commentaires l'ont dit, je les crois. Je pense qu'il ne reviendra pas. Ouais, bah, je pense que tu penses mal, moi. Moi, j'aime pas trop qu'on rentre chez moi quand j'y suis pas. Êtes-vous Tsai de la lance divine? De la lance divine? Non, Tsai tout court. Mais qu'est-ce que je que vous amène? ouais, on a besoin de vous parce qu'on n'est pas venu pour rien quand même. Ah, les lances de feu, non? J'ai entendu dire que le Kablai a attaqué le village de Toto. Alors, c'est encore la guerre. Enfin, mes affaires sont toujours prêtes de toute façon. À pouvoir partir au moment venu. Allons-y. Je laisse là sur moi, c'est pour payer votre travail. Je ne demande jamais à être payé d'avance. Gardez cela. J'accepte l'argent quand le travail sera fini. Et si on bat l'armée de Highland? Ouais, carrément, le gars il est cash. Hein. Bon bah au moins ça fait rejoindre quelqu'un dans le groupe, c'est cool. Ça y rejoint le convoi. Ouais, s'il veut directement rejoindre... Non, j'ai pas envie de le mettre dans mon équipe, quoi. Encore une fois, le choix ultime. J'ai le choix entre Mukumuku et une fille. Ta sœur, reprends-toi. Tu ne vas pas garder Mukumuku, d'accord? Mukumuku est un écureuil. Un écureuil n'est pas vaginalement motocultable avec un humain. Enfin, si, mais c'est zoophile. Ou alors, je vire Nanami. Nanami ou Mukumuku? Pour moi, la réponse est très bref, hein. Mukumuku. Mais malheureusement, en fait, je me souviens que Red Wolf m'avait dit dans les commentaires qu'il y avait une animation sympa à voir quand on faisait le... Il dégage, Mukumuku. Hein. Quand on faisait le... Merde, comment ça s'appelle? C'est un M. Je vais plutôt le mettre en avant parce que là, Nanami, elle est pas top niveau PV. Ah ouais, justement, quand on faisait l'attaque spéciale entre Nanami et Class, apparemment, parfois l'animation peut se rater, ça fait un truc assez lolidols, donc on va tester ça. Hein. Sur le chemin du retour, en espérant que je me fasse pas autant attaquer par les sangliers qu'à l'aller, parce que alors, sérieux, les sangliers à l'aller, c'est des chauds du jus. Hein. Ils m'ont agressé comme pas possible, ces petits PD. Et par trois en plus, hein. J'étais caché, hein. La zoophilie, chez eux, ça marche bien. Du coup, on va tester maintenant d'avoir l'attaque. Ouais. Il a déjà une run, lui? Unicorn. On va tester histoire de voir. Hop. Et on va unir avec Kles. Voilà, c'est vrai qu'il s'appelle Kles, ça me fait bizarre. De jouer un jeu où le héros s'appelle Kles. J'avoue qu'elle. Ouais, quoi. On peut dire qu'au moins c'est long en durée, hein. Elle était quand même sympa à voir celle-là, je suis bien content qu'on les joue. J'ai hâte de voir ce que ça fait quand ça rate, apparemment. À moins que là ça ait raté, je sais pas. Hein. Oh là, les grandes têtes, quoi. C'est des ouf, les escargots. Hop, hop, hop. Unir. Ouais. On va voir ce que ça refait ce coup-ci, en espérant que ça rate. Houlia! Houlia! Oui! Moi! Mi! Mou! Hi! Ta! Ah ok, en fait, je crois que la première fois que je l'ai fait, ça avait raté en fait. Donc c'est pour ça qu'il faisait des animations cheloues. Ou alors, je sais pas si c'est possible que ça rate, peut-être que ça fait juste des animations à chaque fois. Et puis, enfin, je crois. En tout cas, c'est sympa quoi, j'avoue que l'attaque est marrante. On essaiera de la refaire, voir si ça peut encore changer ou faire d'autres trucs, on verra bien. Est-ce que rappelons qu'on m'a aussi dit qu'il fallait faire des combats pour avoir
un perso plus tard. Mais bon, ça, on aura le temps, je pense. Du moins, je pense qu'on les combat de toute façon. Par exemple, vous voyez, celui-là, je le fuis. Ah, sanglier, moi, s'agresser comme ça, ces petits PD. Attends, ce pont, il me paraît louche quand même. Hein. Peut-être qu'ils l'ont juste mis pour le décor, mais un pont comme ça, mais il est nulle part. Ouais. Oh, les chocobos. Oh, les autos pour commencer un peu à les buter. Et ensuite, on les finira en voyant ce qui reste. Hein. Oh putain, je viens de tilter un truc. Alors, les gens, regardez à droite le bras de Milia. Elle a un donut accroché autour du bras. Je sais pas qu'est-ce qu'elle branle avec un donut autour du bras. C'est peut-être son trim, peut-être. Et si je me mettais un donut autour du bras? Je sais pas, pourquoi pas. Hop. Et eux unir. Voilà. Non, ça fait autre chose. Ouais, non, ça me refait la deuxième. En fait, je crois que je me suis raté dès le premier coup, je me suis raté, c'est cool. Comme ça, au moins, c'était cash. Oui, en plus, ils avaient fait que du 50 la première fois, là, ils font dans le 80 et dans le 100. Donc, ouais, j'ai dû me rater. En tout cas, le jeu commence, on gagne déjà pas mal de persos. D'ailleurs, il y avait Sombre Lame qui m'a demandé sur Farmspring si ce que je pensais déjà du jeu pour le moment. Alors, je t'ai pas encore répondu sur Warlam sur Fortnite parce que à chaque fois je réponds pas directement aux questions, j'attends d'en avoir un petit tas avant de tout y répondre. Et justement. Oh, cinématique. Pour le moment, faut savoir que j'accroche pas tant que ça pour le moment. Il est sympa, mais. Pour le moment, le 1 il garde tout le temps une place plus haute dans mon cœur. Hein. Parce que le 1 on dirait pas, mais je l'ai vraiment, mais vraiment kiffé quoi, par rapport au 2 pour le moment. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attends, on a le droit à une cinématique carrément. Mais bon, en même temps, on est au début du 2, j'ai envie de dire, donc je peux pas encore trop me faire un avis dessus, on verra plus tard. Mais pour le moment, c'est clair et net que le 1 est au-dessus, à mon goût. Ah! Et même s'il se passe plein de trucs, pour le moment aussi, le problème, c'est qu'il se passe trop de trucs, et je trouve que c'est pas aussi bien mis en scène que dans le 1. Je sais que c'est un peu bête ce que j'ai dit, mais je sais pas, dans le 1, il y avait un petit truc en plus que pour le moment je pourrais pas expliquer. Mais bon, je rappelle qu'on est au début du 2, donc pour le moment je peux pas trop juger là-dessus, mais pour le moment c'est clair que le 1 je le préfère. Alors, il est parti par là, vos ordres sont de laisser personne quitter le village. Puis ils font leur bâtard. Stop! Vous n'échapperez pas, idiot. C'est un peu la merde là. Ha ha ha! Tué, brûlé, crevé, sale vermine. Bon, apparemment c'est Lucain, en l'occurrence le grand méchant. On avait pu apercevoir au début du jeu, hein, si vous vous souvenez, qu'il discutait avec notre chef, il me semblait. S'il vous plaît, ne me tuez pas! Ne me fais pas rire! Ta pauvre vie ne vaut pas celle d'être la peine d'être sauvée. Je peux perdre les mots, c'est horrible. Que vous êtes cruel! En même temps, le monde est cruel, j'ai envie de dire. Non, par contre, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment la peine de mort, quoi. Ils les font passer un par un pour se faire buter. S'il vous plaît, arrêtez! Vous ne savez que supplier, vous aimez tant, donc tant la vie? Oui! Je ferai n'importe quoi, ne me tuez pas! C'est vrai, ça. Alors fais le cochon, hein? Hein? J'ai eu la même réaction! J'ai dit, fais le cochon! Oui, oui! Très bien. Très bien. Oui, j'imite très bien le cochon, vous aurez remarqué. Ce qui veut dire... Meurs, cochon. Quel connard ce mec! On n'a pas encore fini Lord Lucas? On a fait assez, non? Fini? Mon épée a encore soif de sang! Vous, brûlez cet endroit, brûlez tout pour qu'il ne reste rien, même si je crois que c'est déjà assez brûlé comme ça. Bon, il serait temps que nous on arrive et qu'on s'occupe de leur cul là, non? Bon, même si je crois qu'on n'aura pas trop. Enfin. Déjà, on n'aura pas l'avantage au niveau du nombre, c'est clair. Et avec notre chance, quand on va arriver, tout sera déjà terminé. C'est genre, on met autant de temps pour aller chercher un mec dans la montagne, quoi. Ah ouais, forcément. Alors, c'est Lucas Blade, n'est-ce pas un être humain? Ouais, c'est pas un être humain. Putain, je me perds dans les mots serbes. En même temps, faut que vous me compreniez, parce que si j'ai autant de mal à lire, c'est parce que sur le Dazzle, en même temps, la lecture est vraiment pas top.
Enfin, je veux dire, le Dazzle, en gros, il bride un peu par rapport à la preview qu'on a, par rapport à ce qu'est réellement la vidéo. J'ai essayé d'utiliser d'autres logiciels, mais bon, j'en ai pas trouvé qui rendait mieux, donc bon, on va faire avec, hein, pour le moment. Je n'oublierai jamais cela. Ah oui, ok, ils ont carrément vu la scène. Attendez, le Cable Light possède une force qui n'appartient pas à ce monde. Vous et moi n'avons aucune chance de pouvoir l'emporter contre lui, mais on aura d'autres occasions. J'avoue, on peut pas rester sans regarder. Bon, dans tous les cas, vous voyez, deux choix, mais dans les deux cas, ça revient au même. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Dans les Suikoden, c'est qu'ils nous font faire des choix, mais c'est vraiment des faux choix, quoi. Ils sont là pour nous aider à nous imprégner un peu plus dans le jeu, mais au final, ils changent réellement rien. Donc c'est rageant, quoi, quand ils te laissent des choix et qu'au final, ça change que dalle. Enfin bref, du coup, ben, on peut pas rester à regarder ça, quoi. Allons-y, Eclès, je ne veux pas qu'il fasse d'autres victimes comme Pilika. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas le moment de parler de cela. J'imagine qu'on n'a pas le choix. Ah ok, il va nous attaquer nous en fait. Bon, en même temps, c'est la chose la moins stupide à faire ici. Hein. On n'a aucune chance contre lui. Désolé, je ne peux pas vous laisser mourir ici. L'armée Aethlon a déjà disparu. Dépêchons-nous, le fort de Victor est la prochaine étape. S'il tombe sous la région, ce sera le territoire d'Aethlon. Oh, toute la région, pardon, putain. J'ai vraiment du mal à lire, c'est horrible. Allons-y, nous devons nous battre. J'ai eu du mal à dire là. Nous devons nous battre. J'ai un peu galéré sur la phrase, mais c'est pas grave. Bon, du coup, la ville est totalement pétée. Ouais, bah, j'espère que j'avais plus rien à y faire, du coup. Hein. Bon, apparemment, le prochain endroit, il faudra que je fasse ultra gaffe, ça amuse. Et là, il y aura un perso que je devrais absolument pas rater. Donc, bon, bah, on n'a pas encore l'utilité d'aller à Mus pour le moment, donc on est tranquille avec ça. Voilà, alors retournons au fort de Victor. Dur Victor, ça rime avec Castor. Oui, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Le mec, vous savez que Victor, ça rime avec Castor. Qui la merde. Ah, vous êtes revenu. Putain, pas elle. Ouais, oncle Joey, oncle Clès. Pilika. Un homme qui avait l'air d'un ours était inquiet pour vous, mais qu'il Pilika savait que vous alliez revenir. Bon, grâce à Suikoden 1, je sais qu'il parle de Victor, parce que je trouve pas qu'il ressemble tant que c'est un ours, mais dans Suikoden 1, il faisait déjà la référence au fait qu'il ressemble à un ours. Voilà. On me l'avait même dit dans les commentaires, en fait, parce que il disait un homme qui ressemble à un ours, avant, je m'étais dit, ah, merde, il parle de qui? Et Stanley Com, je sais plus qui avait dit, oh, il parlait de Victor. Je remercie cette personne du passé, parce que je sais plus qui tu es, malheureusement, je suis vraiment désolé. Vite, partons, d'accord? Non, mais il est gentil, l'homme qui ressemble à un ours. Putain, mais rentrez dedans, quoi. Oh, il fait chaud dans la poche de... dans la poche de classe. Allez, du coup, allons voir Victor. Tu dois sûrement être dans les mêmes pièces que d'habitude, à attendre que le temps passe pendant que moi je sauve le monde. Forcément. Avec Apple et les flics. Ainsi, vous êtes revenu, classe Joey. J'ai entendu dire que Ryub avait été attrapé, je m'inquiétais. Alors, c'est lui de Sei. Nous avons fait taille, enfanté. Oui, je donne un accent chinois maintenant. Nous avons très peu de temps. Nous devons commencer mon travail sur les lances de feu. Si seulement j'avais Sogé avec moi pour faire la voix de Tsai. Enfin, pas de Sogé, je veux dire. Le côté schizophrène de Sogé qui imite très bien la voix de chinois. Enfin bref. Merci, espérons que ça marche. Let Joey bien travailler. C'est fait. Oula, je galère. Vous en avez fait assez. Préparez-vous à fuir vers Mus. Oh putain. C'est là que je me dis, heureusement que je fais pas des vidéos d'avance pour le moment, parce que sinon, là, je l'aurais sûrement rappelé perso. Oh. Oh ouais, non, c'est là que je me dis, putain, mais je peux même pas faire de vidéo d'avance, parce que vous vous rendez compte, si j'aurais fait des vidéos d'avance, le perso à Mus que vous me dites de pas rater, bah, je l'aurais... Dur, à mon... Putain, merde. Du coup, je crois qu'à mon avis, Mus, il va cramer aussi, hein, parce que si vous me dites qu'il y a un perso qu'on peut rater à Mus, c'est que Mus va pas tarder à être dégommé, à mon avis, hein, voilà. Bon, je suppose, hein, c'est que des suppositions, je rappelle. Du coup, ouais, il faut que j'aille à Mus. Je veux me battre à vos côtés, ouais. Vous faites quoi? L'intention est bonne, mais... Je ne veux pas être ralenti par quiconque. Faisons un essai. Clès, si tu arrives à me laisser, je te prendrai comme guerrier, d'accord? Ça marche. Bon, voyons si je fais du 1 de dégâts. À nous deux. Ça, par contre, c'est sympa. Ah, putain! C'est parti. J'espère que tu vas pouvoir voir... Tu vas pouvoir te débrouiller. Ah, du coup, les systèmes de... Comme dans le 1, justement. En gros, je réexplique le principe. Le perso dit une phrase et nous, on doit attaquer en fonction de ce qu'il dit, genre... J'espère que tu vas pouvoir te débrouiller, je suppose qu'il va se défendre pour voir comment on se débrouille quand on attaque.
Donc quand on se défend, enfin quand l'ennemi se défend, je crois que genre attendez. En gros, s'il fait une défense, faut que je fasse une attaque sauvage. Non, s'il se défend, faut que je fasse une attaque. S'il fait une attaque, faut que je fasse une attaque sauvage. Et s'il fait une attaque sauvage, faut que je me défende. Donc il va sûrement se défendre là, donc je fais une attaque. Attaque féroce. Ah, c'est pas bon du tout ça. Mais j'ai réussi à le taper. Je lui ai fait des dommages, c'est le principal. Eh, hey, mais il a dit que si je faisais des dommages, j'ai gagné. Je lui ai fait des dégâts. Sois prudent, tu vas te faire mal. Sois prudent, tu vas te faire mal. Qu'est-ce qu'il veut que je réponde à ça, quoi? Je crois qu'il y a des défauts de traduction qui vont un peu me niquer dans le... Bon, quoi, il dit ça, je suppose que faut que je me défende, quoi. Mais justement, il pense que je vais me défendre. Du coup, faudrait que je fasse une attaque normale. Non, parce que lui, il ne va pas se défendre pour autant. S'il pense... Enfin, s'il dit ça en pensant que je vais me défendre, ça veut dire que lui, il va faire une attaque sauvage. Donc moi, faut que je me défende. Mais je rentrerai dans son jeu dans ce cas, donc. S'il pense que je vais me défendre, il va me faire une attaque. Donc s'il me fait une attaque, moi, je fais une attaque sauvage. Je suis dans la merde. Je crois qu'il réussit à lire en moi comme un livre. Enfin bon, de toute façon, je pense qu'on pouvait pas gagner. Sinon, on m'aurait prévenu les commentaires. Enfin, j'espère. Je flippe là. Hein? Attends, j'ai peu. Quoi? Quoi? Attendez, je me tape pas un game over. Non. Attends, j'ai peur là, qu'est-ce qui se passe? C'était scripté. Coupure. Je vais avoir un malaise, je crois. Ok. Alors, les gens, un petit fail, il en fallait bien, sinon c'est pas drôle. Bon, au moins, j'ai compris la leçon. Je me plaindrais plus que les textes n'ont vraiment aucun impact sur le jeu. Parce que là, je l'ai compris, parce qu'ils ont tellement d'impact que ça m'a tué, voilà. Mais c'est pas grave. Du coup, je sais pas. Je sais pas si on peut gagner le combat ou si on doit le refuser. Du coup, j'hésite. Mince, j'ai cliqué sur je comprends sans le vouloir, j'aurais voulu lui défoncer, enfin bref. Du coup on peut continuer, hein. C'est dangereux par là, soyez prudent, vous nous avez bien aidé, ok. J'aurais bien voulu... Ça aurait moins qu'on puisse insister, je sais pas. Ouais voilà, je me battrai à vos côtés, apparemment on est obligé en fait. Du coup je vais être obligé de gagner le combat contre Flic. Ok, ok, donc on est chaud. Ok, en fait, il y avait vraiment aucun. Allez, frappe-moi. Ok, là, en gros, il va se défendre. Défense égale attaque. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que justement, en fait, ouais, finalement, ça change rien. Qu'on fasse l'un ou l'autre, on est obligé de le combattre. Enfin, bref. Allez, il se défend, je l'attaque. Là, c'est bon. Bon, il est peut-être level 20. Non, j'allais dire, on lui fait bel essai, j'y vais après. Ça veut dire qu'il va m'attaquer, je suppose. Alors, s'il m'attaque, moi, je fais une attaque sauvage. Et pour le moment ça passe. J'allais dire on lui fait ça va assez de dégâts, mais en fait non, je trouve qu'on lui fait pas tant que ça de dégâts. Putain, regardez, vous voyez, il me fait trop mal. Je peux pas gagner, c'est pas possible. En gros, le but, c'est le jeu nous force à XP ou je rêve. Eh oh. Ah non, ok, fallait juste lui faire un certain nombre de dégâts. Oh, putain, tout à l'heure, je faillais être quoi. Pas mal. Eh hey, Victor, il se bat bien. Je me porte garant de lui. T'as peut-être perdu la main, Flic. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Oakless, Joey, vous prenez la tête d'une des compagnies. Pensez à un nom. Ok, je suppose qu'en gros, là, on va devoir choisir. Attendez, c'est le bruit du feu qu'on entend en boucle, là? Ouais, faut faire quoi? Bon, faut sortir, peut-être. Sinon ils disent penser à un nom, alors écoutez. Ok, écoutez, s'il arrive qu'on le choisisse pas dans cette vidéo, bah dites-moi quel nom vous propose. Voilà, justement, quel nom on va donner à la compagnie. A mon avis, on va le choisir maintenant. Bon, si on le choisit maintenant, je suis désolé, je vais le choisir parce que je pourrais pas attendre la prochaine vidéo pour vous demander. Mais si jamais on l'a pas choisi à la fin de la vidéo,
Ou mieux, vous savez quoi, j'ai sauvegardé juste avant le combat contre Flick. Dans les commentaires, dites-moi quel nom vous voulez et je modifierai ça. Enfin, ou j'essaierai de fusionner tout ce que vous allez me donner, je sais pas, on fera. Ça, c'est comme si vous mettiez genre vos donations à la fin, on prenait tout et on réunissait, on collait tout, on compactait le tout pour donner un nom. Voilà, c'est ça, vous me dites ce que vous voulez comme nom, alors on verra. Essayez quand même de vous mettre d'accord, s'il vous plaît. Alors, quel nom on va donner à la compagnie? La compagnie Dragon, Orange, Écarlate, compagnie classée de Joey. Qu'est-ce que l'on fait, Kles? Quel nom préfères-tu? Donc du coup on a le choix. Bon, actuellement je vais mettre Deli, voilà, la compagnie Deli. Mais c'est juste le nom d'un petit temps, quoi, parce que vous justement dans les commentaires choisissez un nom et je retoucherai la sauvegarde. À moins que le nom vous convienne, hein, c'est possible si vous dites oh 2 heures, laisse le nom Deli, puis voilà, je le laisse. Hein. Voilà, laissez au moins 3 personnes qui demandent de laisser le nom Deli, je le laisserai. Et sinon, donnez un nom que vous aimeriez avoir, je sais pas, et puis je sais pas, je verrai, hein. C'est en fonction de tout ce que vous donnerez, j'essaierai de faire quelque chose, on verra. Ok. Compagnie Deli? Bon, faisons comme ça. Compagnie Orange me plaît, mais prenons le tien. Compagnie Orange, qu'est-ce qu'il fait avec son orange, là? Qui a volé, a volé, a... Non, putain, non, 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 c'est bon, on arrête. C'était bien, non, Kles? De quoi qu'était bien? Mais de quoi qui était bien? L'armée Highland arrive, tout le monde sur la place. Mon dieu! Attendez, on a combien de minutes là? Faut que je regarde en tête que... Enfin, faut que je garde en tête qu'on a 17 minutes d'avance là, avec l'autre vidéo qu'a coupé. Tu as entendu? Finalement les voilà! On va se bastonner les gars! Allez hop. Du coup on va directement dans le tas, on va pas perdre de temps. De toute façon j'ai rien à faire pour le moment, on va juste changer les persos parce que... Hein? Écoute, tu n'auras qu'à fuir si les choses se gâtent. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Ok, merci. J'ai qui dans ma formation? Ouais, ça va. Ouais, on va lire ça. J'aurais peut-être bien voulu avoir quelqu'un de plus, mais bon, je suppose que ça va m'en mettre automatiquement, un truc dans le genre. Le chien au milieu qui fait un peu tâche, quoi. Et la petite fille, oh putain, alors là c'est pire. Écoutez bien tous, d'après les sentinelles, l'armée Highland se dirige par ici. Soyez prêts à vous battre dur. Sur le chemin, on a mis quelques pièges qui devraient les toucher. Enfin non, tu as mis, femelle. Les lances de feu sont prêtes. Merci à tous ceux qui ont travaillé toute la nuit pour les préparer. Si ce four tombe, toute la région sera sur le territoire Highland. Vous savez ce qui est arrivé à Toto et à Ryub. On ne pourra pas perdre cette bataille. Eh bien, Paul, explique le plan de bataille. D'après Flick, les renforts de Muse arriveront dans 10 jours, environ. Si nous pouvons tenir jusque-là, nous avons une chance de gagner. Bien qu'ayant une stratégie de défense, nous allons attaquer d'ici. Cette première opération va les contrarier et les affaiblir. Ensuite, nous défendrons le fort et attendrons l'aide. Voilà. Waouh, quel plan! Tout le monde a compris? Bien, au nom du grand lion qui est sur notre drapeau, allons sauver notre fort! Ah, c'est pas un ours, d'accord. Fallait savoir que le truc autour c'était une crinière de lion, mais bon! C'est un lion? C'est bien ce que je me demandais justement. Là je crois que Victor vient de résoudre un des mystères de la vie. Quoi? Alors c'était un lion? Force du tigre est en tout. Hein. Vous êtes prêts, vous deux? Nous deux, on est 8. Hein. Ouais, nous sommes toujours prêts. On n'est pas 8, on est 6, putain, merde. Pourquoi je les ai rajoutés 2? Qu'est-ce qu'il a, Paul? Je les vois à l'armée Highland. Bon, c'est pas Paul, mais il a le même skin que lui. Ok, allons-y. Here we go! Mais donc. Ah, les batailles. Oh là là, c'est quoi cette coupe de cheveux? Oh là là, il sort Dragon Ball Z, lui. Bientôt, nous verrons leur fort. Je parie qu'ils tremblent de peur comme des rats. Finissons d'abord ça. Tiens, tranquille, tu risques de perdre la tête. Il a déjà perdu ses cheveux. Enfin, il mériterait de les perdre quand on voit sa coupe. Je pense aussi que nous devrions les achever quand Lucan avant que Lucan arrive. Hein. Sinon, nous risquons de ne plus avoir l'occasion. Il n'y a pas sage de prendre des risques inutiles. Mieux vaut conserver ta force, tu peux en avoir besoin. Quel dommage, une occasion ratée, une occasion perdue. L'ennemi nous a sous-estimé, attaquons sans tarder.
Début de la bataille, ouais, je suppose en gros, voilà quoi. Maintenant, on va voir en gros une bataille dans. Tout le monde attaque, de type tactical quoi. Ah, il se déplace tout seul. Ah, il oh, ok, j'utilise mon stuff. Je suppose que c'est un tuto pour nous montrer quoi faire. Allons, veille. Sympa les trucs d'armée. Enfin, du moins l'animation pour le moment. Après, ça, j'espère que ce sera pas trop long sur la fin les trucs d'armée parce que je sais pas. Je trouve pas ça trop top à regarder les combats armés. En plus, je viens de tilter que la lance de feu était considérée comme une rune quoi. Class, laisse-moi t'expliquer comment. Oh, mais non! Je sais comment. Voilà, en gros, je choisis mon unité, je sais faire. Et je peux pas choisir n'importe qui, juste la mienne. Ensuite, choisis ta destination. Tu peux aller dans les zones qui changent de couleur. En gros, je peux me déplacer que d'une case. Génial. Mais j'ai pas forcément envie de me déplacer, mais vraiment, j'ai pas le choix. Ensuite, choisis ton action. Putain, mais ils me prennent rien pour être trop fion. Eh mec, je joue à 10 Gaia. J'ai une. Oh bah c'est bon, une lance de feu, c'est fini quoi. Pourquoi je me ferais chier à attaquer alors que je peux faire ça? Une attaque surprise, hein. Mettons ces mercenaires de valeur en déroute. Oh putain, il parle un peu bizarrement lui, mais c'est pas grave. Attendre? Mais pourquoi il m'attaque pas? Des lances de feu? Comment ont-ils fait? Oula, j'ai rajouté un mot, mais c'est pas grave. Putain, ils vont me buter de ça ici, je fais pas gaffe. J'espère qu'on peut pas perdre des mecs dans les attaques d'armée, parce que sinon. Et pourquoi ces cons ne nous attaquent pas? Il faut que ça. Ils se mettent devant nous et ils attendent, mais ils sont autistes! Qu'est-ce que ces armes qu'ils ont? N'approchez pas trop! Putain, je galère à lire, je crois, je suis désolé. Eh, faut qu'ils se calment avec Style. Ouh, du calme, Style! Non, non, non. Non, ils m'ont pas tué. Pourquoi je le sens mal? Ces lances de feu sont vraiment des armes puissantes. Ou je suis blasé, là. Ils m'ont tué de Style, je crois. Tu vois, tu devrais me remercier de les avoir sauvés. Écoutez, si, je suis pas sûr qu'ils m'aient tué de ça parce que je connais pas encore le système d'armée, mais s'ils m'ont tué, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, que je refasse ça. En faisant sortir. Je sais pas, je. Parce que, genre, parce que là, j'ai rien pu faire, quoi, je veux dire. S'ils m'ont tué, c'est des enculés. Bon, et on fait spammer les lances de feu, là, c'est chiant. J'aurais dû faire plus attention. Ah, de ça, il y a encore envie. Mais pour combien de temps? Parce que quand je vois. PV qu'il a, faut pas qu'il déconne. Du coup, en fait, faut les toucher deux fois les ennemis pour les buter. Attendez, je peux pas. Putain, je peux contrôler que mon armée. Bon, je suppose que c'est que pour le moment, mais j'espère du moins. Alors, est-ce qu'on peut attaquer ou est-ce que c'est pas conseillé? Ils ont une attaque de 7 et une défense de 5. S'ils ont une défense de 5, moi j'ai une attaque de 6, donc je les nique, non? Oh, c'est bon, je les ai violés là. De toute façon, j'aurais pas pu attaquer avec la lance, il y avait Victor derrière. Ouais, cassez-vous, c'est ça, bon débarras. Victoire! Bravo, on les a eus grâce à ces lances de feu. Beau travail, classe. On dirait que votre première bataille est une victoire, on a bien gagné. Un peu de repos. L'armée de Highland est fatiguée d'une longue campagne. Sûrement, ils attaqueront demain ou plus tard, une fois leur troupe rosée. L'armée de Highland, les soldats de Highland attaquent à nouveau. Putain, ils cassent. Oh, en fait, c'était une. Ils ont fait semblant de. De fuir pour revenir. Celui-là est plein de surprises, cela risque d'être mauvais. Eh bien, il faut nous battre. On ne peut pas le laisser gagner, tu l'as dit. Bien, tout le monde est prêt? Ouais, c'était vraiment un tuto, quoi. Est-ce que je vais sauvegarder ou quoi? Non, elle est prête. N'oubliez pas, l'adversaire est fatigué aussi. On n'est pas en soi vraiment fatigué, nous. Bon, ouais, bon, en gros, c'était un tuto avant, et là, c'est vraiment le commencement. Enfin, j'espère. Je suis le général Kiba, commandant du 3ème Royal de Highland. Je combats pour Agar Blight, roi de Highland. Monsieur le général Solonji du 2ème Royal de Highland, vous venez de me déshonorer, mais cela ne se reproduira pas.
Personne ne quitte le fort, il faut prendre la place à tout prix. Enfin, il faut défendre la place à tout prix plutôt. Les voilà. Ils veulent pas qu'on quitte le fort. Attends, parce que moi, il y a la bombe. J'ai pas le choix, je crois. En même temps, si je m'approche trop, ils vont. Ok. C'est pas moi qui. Eh, ça me fait peur là, vivement que c'est moi qui ai le contrôle total parce que là, je le sens pas. Clay, si tu te souviens des commandes, je choisis une musique. Mais elle me prend pour un con, elle commence à me saouler. Ensuite, putain, mais elle me saoule. Elle me prend vraiment pour un autiste. Hein. Putain, Seed, ça me fait penser à Gundam Seed. Oh putain, va jamais me lâcher. Oh putain de merde. Eh, sérieux, elle me saoule là, Apple. Hein. C'est ça dans les jeux. Vous voyez, les gens se plaignent que maintenant, on prend tout le temps les joueurs pour des autistes en les tenant par la main. Mais ça, c'était peut-être pas nous prendre par la main. Même si c'est un tuto, parce que c'est la première fois qu'on le fait, on n'est pas débile. Alors que, à l'inverse, les phases de combat un contre un, ça, c'est expliqué nulle part. Y a quand même des problèmes à ce niveau-là, quoi. Fin de tour. Je pense qu'au prochain tour on va commencer les attaquer avec les runes, non? Ah voilà, là ils font les runes. Fire with my laser! Même si c'est pas vraiment un laser. Lance de feu, bon sang, elle ne marche plus. Fucking shit. Je sais pas si c'est une bonne chose de me mettre là, mais. Je trouve plus c'est qui lui, attendez. Ah ok, c'est le Tsai. Oula, oula, on est de la merde. Quoi? Je ne peux pas le croire. Comment une si grande amée a-t-elle pu traverser la forêt? On vient de se faire niquer. Imbécile, suivez-moi, on va les relire bouillis. Ah mais j'ai pas de chance de gagner là, c'est pas possible. Je peux pas gagner. Mais je fais quoi là? Je peux rien faire. Putain, en plus il m'attaque en... Mais non! Je peux pas mourir! Ah là, je peux qu'attendre. Zut, ce n'est pas... Tout est de ma faute. Oui, tout est de ta faute. C'est clair, vu que nous je chie avec tes tutos. Oh, imbécile, détruisez-les tous. Défaite. Mais j'ai pas le choix. Et du coup... Sapristi! Robin, Sapristi saucisse! On dirait qu'on n'a aucune chance! Le feu est perdu, vous tous, rappelez-vous et sauvez-vous! Oui! Bon, ok, comme ça c'est clair, moi. Tu es blessé, Class? Ça a l'air d'aller. Bon! Oh non, Pilika, il faut sauver Pilika, viens avec moi, Class! C'était une question. Ouais, bah, je viens avec toi. Merci, Class, allons-y. Du coup, faut trouver Pilika. Putain, merde, je viens d'accepter de sauver Pilika, là? Je crois que j'ai fait le mauvais choix, en fait. Du coup, oula, du calme, pas vers le bas. Oula, merde! On les bute, c'est bon. Par contre, si on est que deux. Ah, oh, on est que deux, c'est déjà un peu plus chaud. Du coup, on va faire une IRA, vu qu'on va attaquer tout le monde, ça va vite les tuer, je pense. Même déjà, je pense que tous les petits, ils crèvent. À la limite, il reste un peu grand. Alors, le grand, je vise celui qui a le chapeau avec un petit fouet rouge sur le dessus. Qui les cocaïne, donc. Je sais pas qu'il était pas au level 10, Joey. Enfin bon. Si il suit pas le rythme, c'est sa faute. Ah, il faut que je me déplace. À mon avis, Pilika est dans le fort. Donc on va y aller. Parce que je vois pas ce qu'il aurait été foutre dehors. Putain. Ça me lâche lui. C'est la même. Hop. Mire. Hop. Oui. Ok. Le fait de tourner la serviette, putain c'est chaud que je l'ai pas sorti avant celle-là, hein, me connaissant. Oh
Ouais, on a gagné. J'aime bien la musique toute gentille, alors que juste après, c'est « Oh mon Dieu, c'est la guerre, on va tous mourir, mon colonel !» Ouais, du coup, je souhaite mon choix, s'il vous plaît. Putain, on laisse même les cadavres des gardes. À mon avis, Pilika, elle est en bas. Ok, attendez. On peut leur parler. Je voulais voir justement à droite, mais non, il y a des méchants. Alors, on va en bas. Pilika, es-tu là? You. Ah, il y a Flig et Victor. Classe, c'est dangereux de rester ici. Dépêche-toi de partir. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, ok, ils sont avec les lances de feu. Elle était pas restée ici, Pilika? On passera pas de la salle là quand même. Ouais, non, Kira se foutre ici alors que c'est pas vraiment le moment. On va pas passer. Attends, c'est pas Paul ça? Bon bah, mon point de sauvegarde est mort. Le bâtard quoi. En même temps, ils ressemblent tous à Paul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Charlotte qui me prend par derrière quoi. Monsieur me prend à revers, hein. Oh merde, par contre, Class il évite pas par rapport à Joey. Je crois en fait Joey a plus de dextérité que Class. Sinon, je sais pas vous, mais pour le moment, les phases de tactique sérieux, je les trouvais vraiment mal mis en forme. Enfin, c'est de la tactique quoi, mais sérieux, c'est de la tactique basique possible comme ça. Je préférais limite les phases d'armée qu'il y avait dans le premier, même si c'était plus aléatoire. Je sais pas, je préférais pour le moment en tout cas. Je parle des phases de tactique d'armée. Parce que dans le premier, au moins, c'était bref et rapide. Alors que là, avec un système comme ça, je sens que vers la fin du jeu, on va avoir des moments où ce sera ultra long, quoi. Et les tactiques qui sont... Enfin, les jeux de tactique, c'est mou, ça me gave un petit peu. Pour ça, d'ailleurs, je supporte pas les FF tactiques. Hein, parce que les FF tactiques, ça va à deux à l'heure. Tu te fais chier dedans tellement c'est mou du cul, quoi. Pour ça, moi, non. Ça va être chaud, quoi. C'est des moments où je vais me sentir... Waouh, ce sera lourd, quoi. Parce que pour vous donner un exemple de jeu lourd, j'ai fini Neptunia il y a pas longtemps, le 1. Je suis fier de moi parce que pour... D'ailleurs en fait je l'ai fini parce que c'est Robin qui a dit qu'il regardait Madoka si je le finissais. Et j'ai fini le jeu, donc Robin va regarder Madoka, c'est cool. Comme ça j'aide quelqu'un à améliorer son bon goût en anime. Ouais justement, et voilà quoi. Sérieux, Neptune, le jeu il est lourd. Encore, quand t'as rien à faire et que tu fais ça en parlant avec des gens au début ça va, mais... Après, oh putain, tu te le sens dans le fond de la gorge, hein, Neptune, tu te fais enculer par la bouche, hein. Et par des filles en plus, hein, par des filles. Sale vermine, tu avais peur, il avait peur de se battre contre ces types. Ya, yeah, au secours! J'en ai marre de rendre ça, ça c'est le cochon de l'état. Non, Paul! Ouah, ouah! Oh non, pas encore! Ouah! Ferme-la, sale môme, tu gâches mon plaisir. On la sauve, on n'est pas des PD. Même si elle est insupportable. Ouais. Rien qu'à sa première phrase après avoir dit sauve-la, j'ai envie de faire ne la sauve pas. Sale môme, tu vas la fermer pour de bon. Oula, fucking shit. Comment? Vous êtes là pour sauver cette petite? Bah devine papy, on n'est pas là pour repeindre notre voiture. Eh, j'aime beaucoup le coup de la voiture en ce moment, je sais pas pourquoi. Ah, quelle belle parole. Écoutez-moi, le monde est fait de faibles et de forts. Les forts prennent tout et les faibles crèvent. Le monde est ainsi fait. Je vais vous montrer comment ça marche, gringalet. Arrêtez. Comment il s'est arrêté? Arrêtez. Assis, il regarde Vermine. Et alors, si vous la sauvez? Faut mieux réfléchir à votre dernière parole, car vous êtes les suivants. Et la môme, qu'est-ce qu'il y a? On a perdu la parole? Oh, c'est quand même un enculé, quoi. Détends-toi, j'ai tranché des centaines de milliers de coups. Je pourrais le faire les yeux fermés. Ah, arrêtez, arrêtez! Oh, ah, j'adore ces yeux, si faibles, remplis de peur. Ah, Dieu que j'aime ça. Oh, tremblement de terre. Par là, dépêche-toi. Apparemment, ils ont fait exploser le fort. J'ai jeté toutes les lances de feu de la chaudière au sous-sol. Ça va exploser à un moment, alors. Ah, c'est ça qui branlait. Voilà, la prochaine fois, il faudra mieux les protéger. Vite, courez. Si vous vous sentez, allez à Muse. On pourra se reposer vite, ne mourrez pas là, maintenant. Oh putain, mais oui, ils disent devant lui, en plus, qu'ils sont cons. Pourquoi? Embêtant, petite.
Embêtant de peu. Oh putain. J'en ai marre. Ne remets pas tes sales pattes sur mon fort. La prochaine fois aussi, gare. Garde de train. Wait. You. Je vais te faire regretter d'être encore en vie. Bon, apparemment, il a une dent contre Joey maintenant. Ou à Victor, je sais pas. Oh, petit effet de 3D sympa. Même si quand on voit le jeu, sincèrement, je trouve dommage qu'ils aient fait un effet de 3D. Et pas plutôt des effets animés, parce que je pense que ça aurait été plus simple pour eux de faire des cinématiques en style animé, et moins lourd à mon avis aussi, que de les faire en mode jeu 3D. Ça va, Pilika? Pour une fois qu'elle ferme sa gueule. Qu'y a-t-il, Pilika? Hein, Pilika? Sunny, oh, oh! Elle est muette. Comme Robin le soir. Putain, c'est privé de joke. Pilika, Pilika, elle ne peut pas parler. Elle a le syndrome Link. I. Putain, what the fuck? Réponds-moi, Pilika, s'il te plaît, Pilika. Appelle-moi oncle encore. Oh putain, le pédophile. Ne crains rien, il est en état de choc. Lucas ne t'a pas. Alors, il t'a pas tué en cas où tu te demandes. C'est ma faute, c'est parce que je l'ai pas protégé. Pourtant, je trouve qu'on l'a bien protégé, moi. Pilika. Kles, on n'est pas en sécurité ici. Non, devine. Il faut vite aller loin. Victor a dit qu'on pourrait se reposer à Muse. Je crois qu'il faut y aller. Oui, enfin, vous avez dit... Il a dit devant Luca Blight qu'il fallait aller à Muse. C'était la pire chose à faire, quoi. Du coup, oh putain, j'ai pas le choix. Le seul endroit du jeu où je peux sauvegarder actuellement, c'est à Muse. Donc on va aller à Muse, les gens. Parce que oui, maintenant que mon point de sauvegarde personnel est mort devant mes yeux par Luca Blight, j'ai pas trop le choix d'aller à Muse, donc on va y aller. Non, ça sert à rien de faire les combats, vous me rapportez plus d'XP maintenant, hein. Cassez-vous. Putain, c'est le fort est en feu, on a failli crever. Emilia qui porte toujours un donut autour du bras, là c'est la fête. Par contre, je sais pas ce qu'est devenu des persos qui sont pas de mon équipe du coup. Je suppose qu'on les reverra plus tard, parce que ça me paraît très bizarre sinon. Mais bon, voilà. Attends une minute, il y en a. Ah, ok, c'est bon, on a un ami. On n'a pas le chien par contre, là je suis deg. Gracias. Ouais, ça devrait pas être trop long d'aller à Muse, ça va être cool. Quoique non, j'irai même pas à Muse, j'irai à la... Parce qu'avant Muse, il y a une maison, on ira là. Et dans la prochaine vidéo, faudra que... Putain, rien... Quand même, la phase tactique, c'était tellement chiant que je sais pas si j'aurais même le courage de me la refaire, pardon, pour changer le nom. Le nom du groupe, je veux dire. Enfin, je verrai si j'ai la motive ou pas. Pilika, où vas-tu? C'est dangereux toute seule. On voit que je m'intéresse à Pilika en premier lieu. C'est ma faute, je n'ai pas été assez fort. J'ai pas pu protéger ce village. Alors ce voyage a été pour moi une perte de temps. Oui, je sais que c'est une meuf, mais elle a pas l'air très sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Combattons ensemble. Alors j'ai encore une chance d'exercer mon épée. Dans ce cas, je viens avec vous. Enfin, limite, elle a la voix de Satan, quoi. Satan le diable, hein. Pas celui dans Dragon Ball. Bon, elle est venue avec moi, mais je sais pas où ils me l'ont carré parce que je la vois pas. Et toi, le chien, tu veux pas venir? Non, je veux pas. Pilika est sûrement allé à sa maison, qui est sur le chemin, donc on va la voir. Attendez, j'ai un lag, ok, c'est pas ça. Ah, elle est là. Pilika? Qu'est-ce que vous? Ah non, mais je peux pas, hein, faut que je sauvegarde du con. Yeah, suivons la classe. Bah écoutez, je suis chaud pour la suivre, mais ça sera de la prochaine vidéo alors. Hein. Donc je vais retourner, enfin je vais sortir de la ville par la gauche, et on va aller... Oh le connard. Bon bah en fait on va aller voir Pilika. Oh, c'est un fail quoi. Oula, c'est sombre ici. Ah, tu es la Pilika, pourquoi tu... Quoi? Il y a quelque chose? Une pierre. Ah oui, je me souviens. Marx, le père de Pilika, il s'occupait d'un sanctuaire. Ça doit être là. Qu'est-ce que c'est? Il y a une inscription là. Kles, regarde ça. Il y a écrit voilà. Donc, voilà quoi? Mon ami et moi avons scellé nos idées ici. Nous regrettons profondément d'avoir pu les unir. Anne Genkaku.
Ce Genkaku pourrait être Maître Genkaku. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou Maître Genkaku, pour ceux qui se souviennent, c'était le gars qui leur avait tout appris niveau combat. Dans le flashback du début, il me semble. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je me demande, justement. Dans le sanctuaire? Mais pourquoi sommes-nous à l'intérieur? Il n'y a qu'un moyen pour le savoir. Oh, une bulle volante plutôt bien faite. Avec un personnage que les personnes qui ont joué à Suikoden 1 devraient reconnaître. Même tous les Suikoden, il me semble. Je crois qu'elle apparaît dans tous les Suikoden. Vous qui suivez le chemin de la fatalité. Héros. Attends, elle a écrit... Oula, il est écrit bizarrement, héros. Oh, c'est la première fois que je vois héros écrit comme ça. Je sais pas si c'est possible, mais bon. Je suis pas un dieu en orthographe, donc je vais pas m'en plaindre. Héros qui appelait les étoiles de la destinée. Avancez. Pour tisser votre destin. Vous devez d'abord les atteindre. La lumière bleue divine disparaît. Ok. Hein? Qu'est-ce que c'était? Nous sommes censés avancer. Vas-y Joey, rentre-moi dedans. Oui, on va avancer. Voilà. Bah du coup, on va avancer. C'est assez space, là. What the fuck? Bon, au moins, ce qui est clair, c'est qu'on se croirait dans FF13 tellement c'est linéaire, là. Pouvoir. Est-ce que je cherche du pouvoir? Fasse flashback, hein, évidemment. Ah, qui êtes-vous? Oh putain, le héros qui parle! Oh, je suis Joey! Oui, oui, Joey! Joey Wheeler! Oh non! Oh, elle était nulle! Depuis le premier jour où je t'ai vu. Apparemment, c'est Joey qui parle. Oh là, attendez, j'ai un gros lag, là, je crois que... Gna. Et enfant adopté, le fils de Poltron de Dojo de ton père... Oh là! Attendez, j'ai un putain de lag! Wow! Calme-toi! Voilà. Ne viens pas là, Clès, aurais-je attrapé la maladie de Trouillard. Oh là, non, ça lag... Attendez, ça... Je fais une petite pause, je suis désolé de couper comme ça l'élan de tout ce qui se passe, mais ça lag à mort. Je vois même pas encore le menu de... Putain, ouais. Voilà, donc re les gens, je suis désolé pour cette petite coupure, mais là il y a eu un... J'ai pas compris ce qui s'est passé, il y a eu un putain de lag, ça nous a un peu coupé dans l'élan du jeu, je suis désolé, surtout que ça devenait intéressant. Donc continuons, je vous prie. Attendez, comment on annule les... Ah c'est bon. Donc Clès, il se fait emmerder par les gosses pour ceux qui... Enfin, vous, j'ai pas tout de vous expliquer, vous avez vu. Pour vous, ça vient de se passer il y a une seconde. Assez, vous vous moquez de Clès, vous aurez affaire à moi, hein. Ah oui, ils se sont fait péter la gueule. Maintenant, vous parlez moins, fils adopté de Poltron de petit riche. Ah, putain, c'est des enculés. Puis, ils ont des casquettes, quoi. Une natte. Putain, on a le héros de White Knight Chronicle avec nous, là. Hé, hey, attendez, petit lèche-cul. Oh putain, chaud. Petit lèche-cul, quoi. Ça devait rendre bien en anglais. Se casse. Ça va, Clès? En gros, ouais, Joey, on l'avait déjà perçu, mais c'était un fils de Reich, quoi.
Alors que Clay, c'était tout l'inverse. Oh putain, c'est le chien, quoi. Oh putain, je suis fan. On va créer le groupe sur des le chien fan. Le chien qui est passé de la vidéo 5 de Suikoden 2. Qu'est-ce qu'il fout? Il essaie de s'échapper, mais de quoi? Vito, mes mains faiblissent. Encore un petit peu. Putain, merde, c'est pervers là. Tu la vois? Elle est mignonne. Hein? Dépêche-toi. Putain, il a une gueule bizarre quand même, Clay, quand il est jeune. Rien qu'un autre. Un autre quoi? Ah, il est en train de se branler sur un ami. C'est logique. Putain, il a pas honte? Petit pervers, Clay. Enfin bon, tout le temps ça dose de fanservice d'un jeu vidéo, forcément. Hey, qu'est-ce que vous faites là-haut? Bande de petits pervers! Oh, filon! On a un filon! Je ne me suis jamais sorti seul, car tu étais là. Oh là, il y a eu un truc bizarre dans la traduction là, mais bon. C'est bon, souviens-toi, c'est un secret. Ouais, y'a quoi ici? D'accord. Hé, qu'est-ce que tu faisais? Eh non, raconte. Eh ben, tu vois. Dis donc. Putain, je leur fais tous la même voix. Tu n'as pas le droit de parler. Pourquoi je leur fais des voix de meuf en plus? Quoi? Mais non, ça va. Ouh, là là, ou non, c'est un secret entre garçon. Oui, au garçon. Je suis pas content. Bleh. Je sentais que ces jours dureraient éternellement. Avec ces défauts de traduction très étranges dans ces phrases. Et pourquoi je prends la voix du père Voras? Oui, la réponse à l'énigme. Tu devras chercher la clé hors du lac. Un peu long quand même la scène là. Hein, le marché sur le mur. Putain, ouais, il y a des. Là, on sent que les traducteurs ils ont eu des gros problèmes pour la place des dialogues. Parce que sur la fin, waouh! Ah, là par contre, c'est le début du jeu justement. Si on s'en sort, mais si on est séparés, retrouvons-nous ici. Comme ça, nous serons réunis. Promets-le, Clay. Je te le promets. Putain, il avait pas. Je me souviens pas qu'il ait dit je te le promets. Ah, quoi que. Attends, est-ce que ça reprend la phrase qu'on a dit? Putain, je me demande. Allons-y, Clay. Wouhou! Clay, citez la réponse, Clay. Je suis là, Joey. Mon héros. Oh, mon Mario. Oh, ma Peach. C'est zoophile. Enfin, zoophile. C'est gay, là, par contre. Je croyais en toi, toujours. La phase est un peu trop longue, là. Clay, Joey. Je me demande si nous reviendrons aussi un jour. Bien sûr qu'on reviendra. Car nous avons trop partagé. Là, les développeurs, ils se sont dit, bon, on va faire une économie de lettres. Ah, c'est bon, on est sorti de la phase. Hein? Qu'est-ce que c'était? Une hallucination? Clay, tu l'as vu aussi? Qu'est-ce que c'était? J'en sais pas plus que toi.
Jeune disciple de la destinée, nous avons lu dans votre cœur et nous avons observé votre caractère. Mon caractère. Vous êtes la personne de tout à l'heure, qui êtes-vous? Je suis l'héritière de la porte des runes. Ouais, voilà, c'est l'Eknata. Un personnage de Suikoden. Enfin, retournons sur le Suikoden, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que vous qui avez eu la coupure, ça m'a coupé en plein élan, quoi. Ici commence la cuillère des étoiles de la destinée. Putain, et c'est utile une cuillère. Ah non, la cuillette, merde. J'allais dire c'est utile, on peut s'enfuir d'une prison avec ça, mais non, c'est pas la cuillère, c'est la cuillette. Vous avez été reconnu par l'une des 27 vraies runes. Ô disciple de la destinée des chemins, vous vous êtes ouvert. Je galère à lire en plus. Reconnu, c'est une vision. Oui. Putain, je galère trop à lire là, c'est horrible. Putain, je suis crevé. J'ai bon que j'arrête la vidéo, que j'aille me faire un sandwich et que je me couche. La rune vous a reconnu. La rune du début, celui qui repose de l'autre côté, est nécessaire à l'accomplissement de votre destin. Tenez-vous devant les runes et levez la main droite. Vous aurez le pouvoir de changer le destin. Ah, la main droite. Même dans les jeux vidéo, elle est utile. Réfléchissez ensuite, décidez. Ok. Le pouvoir n'amène pas la paix. Les tempêtes du destin apportent la misère du grand nombre et peu savent se calmer en route. Si vous ne voulez pas le pouvoir, retournez au monde extérieur. Pouvoir? Rune? Le pouvoir des 27 vraies runes? Voilà quoi, c'est le délire en gros, c'est qu'à chaque fois les héros dans les Suikoden, ils obtiennent le pouvoir d'une des 27 vraies runes. Comme justement dans Suikoden 1 où le héros avait le pouvoir de la solitaire. Et nous, on veut le pouvoir parce qu'on n'est pas des tarlouses. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir quelle rune on va avoir là. D'ailleurs, petite anecdote là, oui, je lis pas ce qu'ils disent là. Vous comprenez le délire. Petite anecdote, la dernière fois je parlais avec Bibiri sur Skype à l'écrit, et genre il m'a fait... Oh, Suikoden 4, il est vraiment relou, Suikoden, il est insupportable. Et moi je lui ai fait, bah en fait le jeu, c'est simple. Attendez, qu'est-ce que j'avais dit exactement? J'avais dit un truc, attendez, parce que je vois toujours la phrase exacte dans ma tête là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut sauvegarder? J'aimerais bien sauvegarder, madame, merci. Ok, non, elle veut pas. Bon, la vidéo sera... Oh putain! Putain, j'ai la tête dans le feu. Ah, je brûle. Justement, ce que je dis, c'est que voilà, quoi, Suikoden 4, le jeu, on va dire que quand le joueur y joue, il obtient la même destinée que le héros du jeu. C'est-à-dire qu'il a le même maléfice, c'est plus il y joue, et plus il se rapproche de la mort petit à petit. Voilà, j'avais dit un truc dans le genre, on va dire. Parce que justement, pour ceux qui le savent, dans Suikoden 4, le héros, lui, sa rune a dévoré a rétréci sa vie au fil du temps, quoi. Claes, tu m'entends? Tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. Levez la main droite. Il y a des gens que je voudrais pouvoir protéger, alors j'ai besoin de ce pouvoir. Oui, oh yeah. Oui, oh yeah. Double oui. La divine lumière s'ouvre à toi. Voilà, et on va enfin obtenir notre vraie rune véritable. La rune véritable qui, normalement, si j'avais bien tilté à tout ce qu'expliquait Rawa quand j'avais vu son Roku de Suikoden 5, sont les runes en gros les plus puissantes. En gros, toutes les runes, on peut dire qu'elles peuvent être créées, sauf les runes véritables qui sont des runes uniques, quoi, qui n'existent qu'en un exemplaire et qu'une personne dans le monde tout entier peut avoir. Voilà, on a eu ce qu'on veut, maintenant on se barre. Oh yeah. Par contre, Joey a eu une épée et Claes un bouclier, enfin d'après la gueule de la rune apparemment. J'aurais préféré Claes et le bouclier, mais bon, c'est enfin Claes et l'épée, mais c'est pas grave. Vous avez reçu le pouvoir. Claes, vous avez le rune bouclier lumineux. Ok. Joey, vous avez le rune, c'est la rune épée noire. Ce sont les deux faces du rune du début. Oh putain, je galère. Et là, ils font des phrases space, hein, c'est pas du français, je veux dire. On sent qu'il y a quand même des phrases qui sont bizarres, hein, parce que le rune épée, voilà. Allez maintenant, allez écrire votre dessin. Je suis crevé, je suis désolé, il est 4h du mat. 4h40 même. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, Gen était inquiet. Oui, et Gen justement, Arawa m'a prouvé qu'en fait, Gen et Kuromimi, c'est deux personnes différentes. Ils se ressemblent.
au trait pour trait visuellement et au niveau du skin, mais c'est pas les mêmes persos. Voilà. Elle m'a carrément mis une page Wikipédia pour comme preuve. Donc voilà, et c'est pas les mêmes persos. Un rêve, je ne crois pas. Kles, montre-moi ta main. Droite. Mon dieu, mais c'est du sperme. Alors ce n'était pas un rêve. Hein, que se passe-t-il? Ça va. Nous allons bien, Pilika. N'est-ce pas, Kles? Ce genre du cul. Allons-y. Faut pas que l'armée d'Arlan arrive ici, ok, on y va. Bah c'est bon, on est reparti. Allez, rentrez-moi dedans, oh, ça m'excite. Mais c'est bon, tout le monde rejoint le convoi. Pourquoi ils précisent pour Pilika et pas pour les autres, quoi? Quelle bande de racistes. Ah là là. Alors c'est une détruite, ça y est, ils vont, mais par contre les autres en a foutre. Hein. Ah, du coup, on peut aller au musée. Qu'est-ce qu'elle était bonne. On va surtout à la petite maisonnette qui se trouve à côté de Mus pour sauvegarder. On était bien cette vidéo quand même, il s'est passé pas mal de trucs. Sauf la phase de tactique sur la map, on était limité par ce que nous disait Apple. Eh sérieux, cette phase... C'est quoi ces monstres? Eh c'est quoi, on va utiliser notre unique. Alors, on commence par l'épée noire. On peut avoir... Attendez, on peut avoir plusieurs runes parce que là c'est épée noire. Mais je veux dire, je peux mettre deux... Putain, la classe, on pouvait pas avant. J'ai le choix entre jugement éclair ou lame scintillante. Et on voit que je peux utiliser le jugement éclair 4 fois et lame scintillante qu'une fois. On va tester. Ah merde, ça touche les deux. Oh, on va tester quand même. Toi t'attaques. Toi t'attaques. Non, toi t'attaques pas, attends. Rune. Bouclier. Ah, lui il soigne. Oh putain, c'est bon ça. Ah mais oh, il soigne tout le monde en plus. Oh, c'est good. Mais d'ailleurs, il y a de nouveaux ennemis, ça j'ai pas vu. Ils font un peu flipper là, les espèces de loutres avec des scies à la main. Putain, elle est classe la rune épée noire! Même si l'animation était un peu bref quand même. Bon, on verra la rune bouclier lumineux plus tard alors. Alors, du coup, arrêtons-nous là pour sauvegarder. Ah. Oh non, pourquoi elle est devant? Qu'est-ce qu'elle va me vouloir? Je demande comment mon homme va rentrer. Bon, elle a fouille de ton homme. Oh non! Pff. Mais je voudrais m'arrêter là! Du coup, on va aller à Muse et on s'arrêtera à Muse. Et dans la prochaine vidéo, on ira recruter les personnes qui voulaient que je recrute à Muse. Quoique, je vais peut-être le recruter maintenant en fait, parce que je flippe qu'on puisse y aller. Que dès qu'on aille dans l'auberge, genre ça nous nique quoi. Décidément, putain, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? Attends, qu'est-ce que c'est encore ça? Hein? Vous croyez, allez là. Nous sommes les amis de Victor, le chef des mercenaires. Nous avons convaincu de rentrer ici. Laissez-nous entrer. Désolé, mais personne ne rentre. Oh, quelle bande de connards! Et vous nous traitez d'espions? Allons, ne perdons pas notre calme. Laissons ça à un ami. Je perds mon calme rapidement. On va lui péter la gueule. Hein. Écoutez, nous devons voir un vieux grognon appelé Victor. Alors laissez-nous entrer, ok? Sois pas ridicule, maintenant dégage Nez plat. Nez plat? Quoi? Comment vous m'avez appelé? Nez plat, petite crevette, allez dégage. Crevette? Répète-le, et vous allez le regretter. La ferme, garçon manqué, tête de grenouille. Petit garçon manqué à tête de grenouille. Grrr, je vais t'arracher les lèvres, tu es mort. Attends, un ami arrête. Faut pas laisser ça à l'ami. Hein. Laissez-moi, que je le tue. J'ai des nouveaux de mec là. Allons, on sort de là. Oh putain, enfin bref, vous avez compris. Ça ne sert à rien de crier sur un garde, c'est pas comme si on était de l'armée de Victor, il ne peut pas nous croire. Il faut laisser tomber, cherchons une solution. Ah, comme par hasard. Ce jeu est sans fin. La question c'est où aller. Alors, c'est quoi, je vais suivre le chemin vers la gauche. Parce que je suppose que ça me fera arriver à un village. Ou au pire j'aurais pu essayer vers le bas. Mais... On va y aller à gauche. On sauvegardera là-bas, enfin j'espère. J'ai pas le choix de toute façon. Alors là, il est quand même long le chemin. Alors, les sangles... Putain, c'est quoi cet ennemi? Ils reprennent les couleurs quoi, du sop couleur. Mais bon, en plus sanglier jaune. Depuis quand les sangliers c'est jaune quoi, foutez de ma gueule. Allez, s'il vous plaît, une petite ville là. C'est trop demandé. Putain, il est vachement long le chemin. Oh,
Oh, je le sens pas le truc là, ça, je le sens pas du tout. On va voir. Y a pas un point de sauvegarde là? Bonjour monsieur, je peux sauvegarder? Green Hill, hein? On est chez Sonic? Tout à fait à l'ouest ici mon garçon. Ok, je m'en prends là. Bon bah on sait qu'on pourra aller chez Sonic au point. Oh non, y'aura rien en haut, c'est bon, je suis le chemin. Du coup, fallait que j'aille en bas. J'avais une chance sur deux. Oh, les araignées, allez vous faire foutre. Hein. Oh, les connasses, ça m'en dit non. Du 1. Du 1, putain, la blague. Ah, décidément. Cette vidéo est maudite. Même si on a bien avancé, je suis quand même fier de tout ce qui est passé là. On est cool, on avance tranquillement. Plus bon, moi je me plains que la vidéo dure un peu plus longtemps que la normale, mais vous apparemment vous êtes content quand la vidéo dure 50 minutes, donc bon, voilà, tant mieux pour vous quoi. Même si là ça fera plus de 50 minutes. Hein. Là c'est clair que ça sera un petit peu longue la vidéo. Hein. Ça sera un peu longue. Une ville, oh putain, à tous les cons pourra sauvegarder là. Je commence à me faire chier les combats. Casse-toi là, je suis arachnophobe, fais pas chier. Ah mon dieu, une ville, j'y croyais plus. Près de l'eau en plus, allez hop. Ville de Coronet. Ouais, bah moi je vais courir jusqu'à l'auberge, on s'arrêtera là. Plus j'ai du bol à l'entrée. Oui, bienvenue, entrez donc. Alors, non. Voilà, sauvegardez les données. Ah, ça fait du bien. Du coup, les gens. Oh putain, j'ai fait trop de trucs. Allez, vous faire foutre pour le nom, hein, je laisse des lits. les gens, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je serai de là. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour la prochaine vidéo de Suikoden 2. Hein. Quand même, là, on aura fait fort. Hein. Une heure de vidéo au moins, je sais pas exactement, vu que j'ai fait 3 vidéos, enfin, une vidéo coupée en 3. Donc on verra, hein. Allez. Salut les gens, hop là.